لقاء جد مهم مع السيد رئيس ستيلانتيس اللي غادي كتعرفوا في سنة 2019 صاحب جلالة الله ينصرو قام بالتدشين ديال المعمل ديال القنيطرة اللي كانت فيه 200 ألف كهدف 200 ألف سيارة في أفق 2023 الآن وصلوا ل 2000 يعني 200 ألف سيارة في 2022 وحنا فرحانين باش نعرفوا بأنه هاد المجموعة الكبيرة اللي كتصنع واحد العدد ديال السيارات غادي تعمل ضعف غادي تضاعف الإنتاج ديالها وتمر ل 400 ألف بل 450 ألف إلا خدينا يعني السيارات إلكتريك. هذا كيشرف المغرب كيشرف يعني العمال ديال المغرب كيشرف كذلك الكفاءات وكيشرف يعني لاتراكتيفيتي ديال بلادنا اللي غادي تخلي أن شاء الله هذا الاستثمار غادي يكون في المستقبل. وكانت مناسبة اللي نشكرهم على الثقة ديالنا ونبلغهم كذلك يعني التحيات ديال سيدنا الله ينصرو بالنسبة لهذا المشروع الهام للمنطقة اللي هو تقريبا 300 غادي يتكلم عليه السيد الرئيس 300 مليون ديال الدولار من أكثر ديال لغو ومن أكثر من 2000 أمبلوا والمضاعفة ديال الإنتاج ديال السيارات باش تمر من 200 ألف إلى 450 ألف وشكرا لكم. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous et honoré de annoncer avec Monsieur le Premier ministre le doublement de la capacité de notre usine de Kenitra. C'est une très belle histoire pour le Maroc et pour Stellantis, puisque lorsque nous avons mis cette usine en opération en 2019, nous avions fixé des objectifs de qualité et de coût extrêmement ambitieux. Notamment sur la qualité, nous avions fixé un objectif qui est au meilleur niveau mondial. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que ces objectifs sont tenus à la fois sur la qualité qui est au meilleur niveau mondial et sur les coûts. Et donc c'est une belle histoire de méritocratie que nous avons aujourd'hui puisque ayant lancé l'usine en 2019, et bien en 2022, c'est-à-dire pas très longtemps après, sachant qu'entre-temps nous avons eu la pandémie qui nous a tous un peu perturbés, nous avons dépassé nos objectifs qui étaient très ambitieux. Et la conséquence de ça, c'est que nous annonçons aujourd'hui le doublement de la capacité de l'usine de Kenitra, qui est évidemment une très bonne nouvelle pour le Maroc, une très bonne nouvelle pour Stellantis. Et moi je suis très fier que nos équipes marocaines aient à ce point démontré leurs compétences, leur état d'esprit combatif, résilient, et également leur capacité d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, l'usine de Kenitra, elle est pilotée à 100% par des ressortissants marocains. Il n'y a pas d'expatriés dans cette usine. Et donc, c'est tout à l'honneur du Maroc, tout à l'honneur de nos équipes marocaines, que d'ailleurs je félicite et je remercie. Et donc, voilà, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette annonce. C'est une belle annonce.